les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau vlog. Premier jour à Elbeuf. Chuchement. Je suis trop contente d'être ici. Le programme il est chargé parce que c'est ma toute première semaine. Et du coup il faudrait que j'aille voir la famille, les amis, etc. Remettre les cadeaux à tout un chacun. Et je suis très bien installée, je vais vous faire le room tour. Je suis un appartement dans les environs. Franchement là où je suis installée c'est vraiment pas mal du tout, c'est sécurisé. Aujourd'hui je dois rencontrer pas mal de gens, je dois avoir des amis hein. Aujourd'hui, j'espère que ça va. Oui, je dois aller faire une surprise à un ami aujourd'hui. Je dois voir la femme de mon feu oncle. Je dois voir également ma tante. Voilà. Donc, j'ai à peu près quatre personnes à voir aujourd'hui. Donc, voilà quoi. C'est ce qu'on va faire en ce jour. Il a plu énormément ce matin. Heureusement que ça s'est calmé. Heureusement qu'il fait moins chaud également parce qu'hier, la chaleur. Chaleur s'il vous plaît. Je me suis habillée comme ceci. Tout vient de Shein. Hein. Vous pouvez pas me voir bien, mais c'est un pantalon large de Shein que vous connaissez très bien pour ceux qui me suivent sur Instagram ou sur TikTok. Hein. J'ai un top de Shein également. Donc voilà, une montre, c'est même quoi, Michael Kors. Mes petits bijoux vite fait de Shein également. J'aimais vraiment cette chaîne parce qu'il y a un petit R. Je voulais même rajouter en plus, mais bon. Donc j'ai mes lunettes de vue. En tout cas, on est prête là. On est prête. Je vais juste vous faire un house tour. Comme ça, vous voyez un peu dans le Airbnb où je suis. Franchement, ce n'est pas mal hein, pour un logement d'une seule personne. Franchement, ça va. Et même deux personnes, ça va suffire. C'est parti. Petit coin cuisine. Voilà, équipé comme il faut. Le petit coin salon que j'affectionne vraiment, c'est vraiment trop mignon, c'est vraiment pas mal. Là, on a cette chambre là, voilà, vraiment simple et efficace. On a la douche, le petit rangement, voilà, en bas également. Bon, je vous ai fait le tour de l'appartement. Ce que je vais faire, c'est je vais rencontrer mon pote en question, je vois sa mère. Ensuite, je l'emmène chez une de mes copines qui s'appelle Leslie. Elle aussi, je dois lui faire la surprise. Les deux, je fais la surprise. Hein. D'ailleurs, les trois, même plus la mère. Donc, je fais la surprise à ces trois personnes-là. Ensuite, je me rends à Kembo pour aller rencontrer ma tante de mon feu oncle. Et pour finir, je pense que je vais rentrer à la maison et je vais attendre ma tante puisqu'elle est au taf et j'irai la rendre visite en fait. Coucou les gars, du coup je suis chez la maman de mon ami en question, donc Michel. Et ici, une pépite de plantation, regardez, il y a les plantations de bananes. Ici sont les feuilles de manioc, voilà. Ici on a les épinards. Là c'est l'ananas. Vraiment, trop bien. On dirait le village en fait, c'est trop bien. Elle est où la banane là? Elle est là. Et juste comment elles sont bien. Elles sont bien fournies déjà. Franchement, elle a vraiment la main verte quoi. Fais la tisane avec. C'est un peu comme le thé. La tomate. Trop bien. Trop bien, trop bien. Ici, c'est le maïs, mais il n'a pas encore poussé. Ici, on a le papaye. Regardez les fruits. Il est tout minuscule, mais il fait des gros fruits en fait. Regardez juste. Donc voilà, après là. Ça c'est quoi? En français c'est quoi? Les messeps. C'est pour assaisonner, non? Oui. Et ça? Voilà, ça c'est comme du persil. C'est un peu comme du persil et tout ça, non? C'est un peu comme du persil. C'est pour faire à manger avec. Ici, là, vraiment, c'est une pépite. Et là, c'est là où elle fait son manioc. Je vais vous montrer comment elle fait, d'ailleurs. Il y a les tarots là-bas. C'est là-bas. C'est un condiment d'accompagnement pour manger avec vos plats. Quand on vous dit de revenir à la source, vous ne voulez pas. Essayez les bonnes choses, bien bio, s'il vous plaît. Bien bio. Là, je vais vous montrer un peu. Une fois fumé. Et là, vous présente. Là, c'est son vigno cola. Monsieur Diego. C'est son vigno cola. Il est à base de vigno cola, s'il vous plaît. Et là, c'est notre maman
qui est en train de nous faire le manioc, un manioc bio, s'il vous plaît. Fait maison, pas vos maniocs bizarres là. Quand tu ouvres, on dirait le caoutchouc là. Ça, c'est la bonne qualité. D'ailleurs, je veux voir avec elle. Donc, comme je disais, il y a une possibilité que je vienne vendre les maniocs là-bas parce qu'il y a ma copine qui m'en a parlé la dernière fois. Elle cherche en fait quelqu'un. Maman, elle cherche quelqu'un qui fait du bon manioc pour commercialiser ça en France. Je dis, mais qui fait le manioc? J'ai pensé à ma tante qui était à Bitam. Mais j'avais même pas pensé que toi, tu faisais encore le manioc, en fait. Mais à Bitam, là, c'est long, non? Oui, nous, on a les longs maniocs. Nous, on n'a pas les maniocs courts comme ça. Là. J'ai vu sur la chaîne de ma copine qui commercialise le manioc, là, il y a beaucoup de gens qui font des commandes. Donc, je suis sûre que si je te mets en contact avec elle, elle va t'acheter tout le lot et elle-même, elle va maintenant vendre en détail là-bas. Maintenant, pour envoyer ça là-bas, c'est comment? Il y a les agences. Hein, les agences. Oui, hein. Il y a les transports internationaux. Donc voilà. Mais lui qui avait mené le colis là, que j'avais fait seulement, on avait refusé. Hein. Quel colis, maman? Le manioc là. Oui, en fait, c'est la personne qui devait venir, qui a dit qu'il n'y a plus de place dans la valise. Venir, hein? Oui. Tu regardes la pauvre fille comme ça, pourquoi? Non. Qu'elle fait vraiment du bon manioc et ça fait longtemps qu'elle le fait. Et c'est pas des lol, hein, parce que regardez, elle fait vraiment chez elle. Maman, explique comment tu fais ton manioc. Quand on trempe là-bas, oui. Tu vois, non? On met. Non, on paye avec les dépôts. Oui. Côté des dépôts qu'ils viennent laisser. On crase. Vous écrasez. Après, on vient. Je filtre. Ah, tu filtres, hein? Tu laisses d'abord dormir, non? Quand je filtre, je mets dans le sac, ça dort. Ça coule. Oh, d'accord. Ça coule là, après. Je prends encore, je crase, après je bouillis, après je crase encore, après je marre. C'est d'accord. C'est comme ça qu'on fait. D'accord. Je sais que vous avez bien compris hein, comment elle fait son manioc là. Et c'est vraiment bien fait, bien écrasé. Je vous dis que ça fait longtemps qu'elle le fait. Ça fait longtemps qu'elle fait son manioc et elle a beaucoup de clients. Ça va vraiment très très vite. Donc du coup, faut vraiment tester. C'est de la bonne qualité et c'est bien fait. Elle ne cherche même pas à tricher. Regarde, ça a toujours été la même taille et la même quantité en fait. Donc voilà pour la pub du jour les gars. Oh, c'est l'heure de manger, hein. Regardez mon plat, s'il vous plaît. Elle a fait le haricot avec les feuilles de manioc accompagnées de la banane plantain. C'est la première fois que je vais manger ça. La banane, elle est bien mûre. C'était moi, bon appétit. Ah ouais. Mmh. Oh mon dieu. C'est trop bon. Nourriture africaine. Moi, on t'appelle depuis, il y a un problème grave. Bonjour. C'est toi. Ouais, c'est moi. Tu es arrivé quand? Là. Ah, vous m'avez filmé pour quoi? Tu es arrivé quand? Ça va m'intéresser. Il y a tout mon père. Je vais vous connaître au visage là, non? Oui, papa. C'est ma copine qui est en France là. Ah. Oh. Bonjour, papa. Bonjour. Oui, papa. Bonjour. Bonne nouvelle, Zabi. Beaucoup de santé. C'est comme ça, madame. Hé, ma chérie.
Il m'a venu, il m'a dit qu'il part à... il est en train de voyager. Michel, c'est vrai. C'est vrai. Se retrouve. Coucou la plaque. Soit quand je viens, je vais voir comment je vais te préparer la nourriture. D'accord. Pas de tout à l'heure. Oui, rentre bien. Coucou guys. Regardez ce qu'on m'offre ce matin. À peine je me réveille, les gâteaux bananes avec le kounou à l'intérieur, s'il vous plaît. J'avais pas mon petit déj, maintenant je l'ai. Je suis trop contente, c'est ma tante qui me l'a donné. En même temps, elle est venue voir la maison. Comme ça, ce soir, on va se voir vu que hier, on n'a pas pu se voir. Je suis trop contente. Donc là, j'ai fini de manger. J'étais en train de faire du montage tout à l'heure. Là, j'ai terminé. Bon, j'ai pas terminé, mais je me mets une pause parce que j'ai appelé ma copine et on va se voir tout à l'heure. Elle est non loin du quartier. On va se croiser là, normalement, à midi. Et après, normalement, je voulais rester à la maison parce que je suis fatiguée, en fait. Je me sens pas vraiment de sortir, mais voilà, je suis obligée de sortir pour voir un max de personnes. Je suis trop contente parce que je vais retrouver enfin ma copine. Ça fait 6 ans quand même qu'on ne s'est pas vu. Moi, je dois également faire un tour encore à Kembo parce que normalement le projet a fixé hier, ça s'est pas passé comme prévu. Donc du coup, j'ai pas vu ma tante que j'étais censée voir. Si j'ai vraiment la force, en fait, j'irai à Kembo en fait pour lui remettre ce que j'ai à lui remettre. Ensuite, je vais rentrer à la maison, je vais me poser. Quoi. J'ai pas envie de trop sortir aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Je suis fatiguée. Vous savez que déjà, je suis une grosse, je ne sors pas beaucoup. Donc, enchaîner les sorties comme ça, en plus, c'est beaucoup de thunes. J'ai pas loué de voiture. Et il faut sortir tout le temps la journée de taxi. Il faut proposer par-ci, par-là. C'est beaucoup de thunes en fait. Donc, voilà un peu le programme du jour. Ma tante qui est passée me remettre le petit déj ce matin. On est censé se voir après son taf, normalement vers 17h par là, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si elle va venir ici ou bien si je dois aller chez elle. On va voir. Tout se passe bien, je suis dans mon pays, je suis contente, j'ai rencontré des gens que j'aime hier. Je pense que toute cette semaine, ce sera juste rencontre, surprise, des gens, de la famille, des amis, etc. Après la semaine prochaine, je vis ma life. Elle ne m'appelait pas. Ne m'appelez pas parce que je vis ma life. Je vais sortir par-ci, par-là. Je vais aller prendre des pots. Je vais aller manger. Je vais même peut-être voyager. On ne sait pas. Je vais vivre ma life en tout cas. Donc voilà un peu comment ça se passe. Tout va bien. Je suis habillée comme ça. J'ai pris mon top hier là. Avec ma longue jupe de Shein. Elle est vraiment pas mal. Elle est comme ça. Elle a une petite fente comme ça. Avec mes petites claquettes aussi. Chez mon sac Jack Mousse. Et voilà, par contre, c'est pas trop loin. Je sais même pas si je vais aller vraiment à Kembo en fait. Je vais même voir le mood de ma copine et le mood du dehors parce que le soleil là, ça donne clairement pas envie d'aller loin quoi. Le truc, c'est que ma tante que je dois croiser, elle vend en fait. C'est une commerçante et elle ne peut pas se déplacer pour qu'on se voit quelque part. Que je lui remette ce que j'ai à lui remettre. C'est ça le problème. Je suis obligée d'aller sur place. Quoique si je vais là-bas, je pourrais aussi profiter à faire un peu le marché aussi. Acheter des petits trucs et tout. Mes flemmes de... Oh. En tout cas, je veux voir. Vous me suivez avec moi. Du coup, je vais prendre mon téléphone pour filmer tout ça. Et je vous laisse ici. C'était tellement longtemps. Oh, oh bébé.
Ça va. Et les enfants? Les lesbiennes? Ah bah tant pis. Vous aimez pas les lesbiennes? C'est vrai. Toi, on peut pas te faire les surprises. Tu m'énerves. Tu veux me faire surprise? Mais vous voulez te faire la surprise? Où elle arrive? Je connais pas le numéro de château. Je connais pas le nom de ton château. Je ne tenais pas là. Mais je connais pas le nom de ton frère, le numéro de ton frère. Comment je... J'essaie de t'écrire sur WhatsApp. Tu dis que j'ai essayé de te faire la surprise. Même essayer de cacher même ma voix. Il dit, c'est la même. Elle va cesser, elle va prendre le nom. Donc ça ne sert à rien. J'ai obligé d'appeler même c'est bon. Ça m'a tellement énervé d'appeler. Vous dites, pourquoi on ne peut pas te faire des surprises là? Non mais non, sérieusement. Mais, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas eu à l'internet. C'est hier seulement qu'on a mis l'internet. Donc ça fait 2 semaines, je ne sais pas ce qui se passe. Donc je me suis branchée là. Je suis sûre que le téléphone que ping, je dis, le téléphone va mourir tout de suite. C'est pour les messages. Plus de 200 et quelques messages. Je dis, qui va commencer à faire tout ça? Ça finit souvent? Oui. Une journée assez chargée. Je viens juste de rentrer là. Mais tout ne s'est pas passé comme je voulais, comme d'habitude. Effectivement, aller voir ma tante qui était dans un supermarché. Donc du coup, on s'est vu et tout. J'ai fait un petit marché parce que je voulais faire... désolé le bruit des voitures dehors. Donc j'ai acheté du maquereau, je sais pas si vous connaissez, c'est le poisson comme ça, fumé. Voilà, j'ai envie de faire un petit bouillon là. J'ai acheté de la tomate, de l'oignon, du cube. J'ai acheté ça. C'est un légume gluant. Voilà, ça apporte beaucoup de saveur à la sauce. J'ai acheté du manioc, de la banane. Je suis désolée, je suis vraiment fatiguée en fait. Là, il fait pratiquement, je pense, 19h. Voilà, il fait 19h34. Là, je vais vider, je vais vite faire. Heureusement que ça, c'est facile à préparer. Donc, ça va aller très, très, très vite. Je me suis également arrêtée à CK2. Voilà, j'ai acheté un mixeur. J'ai également acheté un extracteur de fruits. Vous allez me demander, mais qu'est-ce que tu fais avec toutes ces machines-là alors que tu viens juste pour passer quelques séjours? J'ai pas d'explication logique. J'ai vraiment pas d'explication logique. C'est juste que j'aimerais me faire plaisir de pas avoir un manque dans la maison, tout simplement. Juste pour un confort personnel. Voilà, c'est ça. Du coup, on va faire à manger là. Vous allez me regarder. Mais je peux pas vous donner des détails. Puisque voilà, je vais aller vite pour que je mange vite fait parce que j'ai grave la dalle. Je suis également allée faire les courses dans. C'est où ça? Allez. Donc je suis allée au Carrefour Market où j'ai fait des petites courses comme voilà, j'ai acheté des fruits, j'ai acheté pas mal de trucs, hein. J'ai acheté des Haribo Coca-Cola, je suis trop contente parce que je les ai trouvés, je pensais pas les avoir là-bas. J'ai acheté une palette de lait, j'ai acheté du pain, j'ai acheté pas mal de trucs, le petit déj et des trucs qui peuvent rentrer également dans ce petit frigo là. Donc voilà les gars, un peu le débrief. Je devais voir ma tante ce soir. Je vous avais dit lorsque j'ai fait le débrief que je devais la voir ce soir. Malheureusement, elle aussi, elle a du taf. Elle a des choses à faire. Donc c'est annulé pour demain. On va voir ce qu'il y a à faire. Et puis on va peut-être caler un petit rendez-vous. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc c'est parti pour la préparation. Let's go. Non, pardon, il y a trop de bruit ici. Il n'y a même pas de double vitrage. Nous sommes le vendredi. Je suis vraiment désolée. Je ne sais même pas à quoi va ressembler ce vlog-là. Franchement, je ne sais pas. Parce que, en fait, je vous explique vite fait. Les rues de Elbeuf, c'est la jungle. C'est tellement la jungle. Quand on te dit déjà, fais attention à ton sac. C'est que tu dois attraper ton sac. Est-ce que, dis-moi, tu es assez cinglé pour sortir ta Sony ZV-1 et ton téléphone? Pour faire genre d'influenceuse. Je suis obligée de vous faire des petites récaps ici à la maison. Et vous faire des petits cap-cuts vite fait à l'extérieur. En fait, je suis vraiment désolée. Je sais même pas à quoi ça va ressembler. Mais je vais essayer de filmer le max de les moments possibles que je vais passer ici à Elbeuf. Le temps passe tellement vite. Je suis arrivée lundi. Et là, nous sommes déjà vendredi. C'est un truc de fou. Donc aujourd'hui, on va encore aller
faire une surprise à quelqu'un, à ma tante. Et j'ai également appelé ma petite soeur, que je voudrais qu'elle m'accompagne quelque part également. J'ai envie d'aller voir un vieil ami et me balader un peu. Je me suis dit, ce sera aussi sympa de profiter un peu avec elle, puisque elle aussi ne savait pas que j'étais là. Essayer de faire ça sous ce chaud soleil là. Et là en plus là, je peux pas prendre de voiture parce qu'ici c'est tellement la jungle que les gens ils conduisent n'importe comment, il n'y a pas de code. Ils ne respectent aucun code ici là, c'est un truc de fou. Les fois où j'ai pris le taxi là, à chaque fois je faisais que crier. Les gens ils ont très bien compris que je n'étais pas d'ici en fait. Alors que ça m'aurait vraiment dépanné quoi. C'est juste dommage. Là, je suis en train d'aller au 9 étage dans une école primaire pour aller rencontrer ma tante en question. Ah, je vous ai même pas montré ma robe. Regardez ma robe, elle est bien longue. Les gars, on est proche de ma tante. Elle ne savait pas que je serais là, mais j'ai grave galéré avant de venir la retrouver. Hein. Mais elle est juste là, dans une des classes. Je sais pas si elle va me reconnaître. C'est parti pour la surprise. La même couleur que moi. C'est pas Minou. Mais j'ai écouté. Minou, elle savait. Minou, tu sais, elle veut aussi téléporter. Du coup les gars, je suis avec mes tantes là, je vais leur faire une surprise. Mais regardez s'il vous plaît, on a la même tenue, la même couleur. Quelle coïncidence! Mais coucou! Coucou! Donc du coup on va rejoindre ma tante juste à son travail là. Vous avez tous en train de dire que Anita, elle te dit que ce que Minou a fait aujourd'hui là, c'est quand elle est tremblée. Et quand elle est tremblée, elle est en verre. Quelle coïncidence comme ça là. Elle est en verre. Et je non. Les gars, je vous présente ma petite soeur. Seigneur, ma fille, oh. Tu pleures. Oh, mon enfant, ça fait longtemps. Oh, elle pleure. Ça fait longtemps. C'est quoi pleurer? C'est quoi? Enfin, on est rentré à la maison. Je suis avec ma petite soeur. Et tout ce qu'on avait à faire aujourd'hui, heureusement qu'elle était là pour m'accompagner jusqu'à ce que je termine et tout. On s'est apprêté parce qu'on doit sortir tout à l'heure. C'est où on va? Terrasse dimanche. On y va, on va bien s'amuser et tout. Normalement, on doit être revenu avant minuit parce qu'il y a le couvre-feu. Donc, on s'est apprêté. Moi, j'ai porté cet ensemble qui me vient d'Ali. Ça, je ne voyais même pas.
pleure vraiment. Juste en bas, j'aime trop cet ensemble, la couleur, le fait que ça soit en comme ça, j'aime trop. Donc voilà, on va sortir. Et puis voilà, on se capte. Hein. Je suis vraiment désolée si le vlog il est ghetto. Je peux pas tout filmer comme je vous ai expliqué. Si on a Libreville, on se balade pas avec les téléphones. Je peux pas sortir avec mon Sony ZV1. On arrache tout. Je suis pas assez folle. Déjà que parfois j'oublie de mettre mon téléphone dans le sac. C'est pas avec mon Sony. C'est pas avec mon Sony ZV1 que je vais me balader, s'il vous plaît. Donc voilà un peu, on se capte à tout à l'heure. C'est moi le créateur de tu viens quand j'écris, tout j'ai fait. Je bouge, quand j'ai pas, c'est ça la sagesse. Toi, la personne ne veut pas me dire où est le rapport. Tu fais genre alors que dehors de tout, moi c'est la capote. Mon père, c'est un caïman. Et dès que je prends la parole, on se connaît dans le. Je vous abandonne trop déjà. Ok. Quand je dis que je sais pas à quoi va ressembler ce vlog là. Je vous prends là, il fait 16h je crois. On est en train d'aller à la plage, aller manger des cocos avec les amis et ma soeur. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé ça. J'ai juste hâte. Comme j'ai rien fait de la journée, j'ai juste voulu me reposer un tout petit peu. Mais maintenant que voilà, on s'est boosté un peu, on a dit on va se lever, on va même un peu bouger de là. Là les autres sont en train de m'attendre. On va partir. Let's go à la plage lycée Léomba. Je dis coucou. Coucou ma soeur. C'est ma soeur. Elle est toute belle. On va manger des cocos. Je sais pas ce qu'on va faire après, mais pour l'instant, c'est ça le programme. Ouais, oh là là, c'est bien ça. Merci. Avant c'était 300, mais c'est pas grave. J'ai tellement rêvé de ça. Je voyais trop. J'ai trop de quoi. Oui, j'ai trop. Coucou guys, j'espère que vous allez bien. Normalement aujourd'hui je devais aller voir mon oncle et ma tante qui se trouve vers Angonji là-bas. Mais pour y aller c'est tellement compliqué. Finalement je suis restée ici avec ma petite soeur. On était censé partir ensemble, mais on est resté ici. Bon, on a procédé autrement. Il y a mon oncle qui était dans les alentours. Je lui ai dit, elle lui a dit de passer ici. Comme ça au moins c'est fait. Là elle est allée chercher son père. C'est plus une surprise, mais au moins il sera là, il va me voir. Il y a mon oncle qui est là. Il est là, je suis trop contente, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vu. Il est là. Oh mon tonton.
Je suis trop contente là. Vous là, vous allez assister aux retrouvailles de son tonton et sa petite fille. Surprise comment? Oh, on fait des surprises. Mais surprise, tu sais que je reste, ton père ne reste pas à la maison. Oh non, non. Hein? Ton père ne reste pas à la maison. Je voulais débarquer. C'est le monde comme ça, vous donnez des crises cardiaques. Mais tu as pas... ramassé les cadavres. Hein? Ça va. Maman, tu vas bien. Seigneur Jésus-Christ, merci Père. Adieu. Oh, Seigneur. T'as l'air en forme. Merci. Tu travailles, hein? Je travaille au Tando, c'est. Oui, il m'a dit. C'est qui paie le taxi, qui l'a fait le taxi. Si je reste à la maison, je fais quoi? Quelle est la voiture là? Oui. C'est la vieille voiture que tu vois là. Non, est-ce que je l'ai laissée? Non, tu l'as pas laissée. Elle a l'air bien, hein, ça va, non? Ça t'embête pas trop. Ça m'embête. Oh, ça embête. Vraiment là, ça embête vraiment. Le vlog s'arrête là. Merci encore de m'avoir suivi tout au long de ce premier vlog à Elbeb. Like it didn't happen to make it happen. You're telling me.